retrouver dans cette église le temps de culte pour que, comme l'a dit Jean-Michel, le rite capitulaire concerne Sainte-Marie-Madeleine qui avait débuté pendant Sainte-Marie-Madeleine en 1998, le concierge qui avait annoncé cette série d'événements médicaux, comme on a l'habitude, c'était pour le concierge du Tribunal de Défense du Temple de Provençal, parce que nous étions dirigés un peu en mouvement de façon à réfléchir un peu sur les décisions du ministère de la Culture qui, à l'époque, voulait appliquer des choses inapplicables à l'enseignement colombien, etc. J'en passe. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver fidèles pour ce 24e concert. Alors, nous accueillons là, pour maintenant, aujourd'hui, deux musiciens de haut niveau. Pierre Guis, qui va jouer du langue tambourin, bien sûr, mais qui est également un musicien professionnel, comme je l'ai dit, de haut niveau. Il est également violoniste professionnel et violoniste titulaire dans l'Orchestre National de Suède. Et donc, il a énormément de concerts, il a une activité professionnelle liée à la musique. Voilà, donc c'est un musicien de pouvoir. Et également, Olivier Chardin, pianiste, professeur de piano pour le conservatoire d'Aix-en-Provence, et également un concertiste. Donc là, vous allez avoir ce soir ce qu'il est possible de faire sur un tambourin tambourin, piano évidemment, mais sur le tambourin tambourin par un musicien de très haut. Voilà, par deux super musiciens. Je leur laisse donc la place et accueillez donc Pierre Guis et Olivier Chardin. Bonsoir et à vous remercier d'être déplacé ce soir. Nous avons
Thank you.
Faisons maintenant un petit saut dans le temps vers notre époque, puisque la pièce suivante est composée par André Guillaume. Un compositeur d'origine qui est beaucoup pour la galerie de Montréal. Cette pièce s'intitule Prix de Marie. Thank you.
Voici maintenant une courte pièce composée par Bernard Rigny, que j'ai pensé tout à l'heure. Il s'agit de Aubade d'Aurore, qui a été composée et interprétée à l'occasion du baptême d'Aurore de Chiquitina. À nouveau, un grand classique de répertoire du Capitaine Tintouin, un incontournable pour quelques domaines. Il s'agit d'une variation sur l'air de la fête de la variation de plein de monde. Thank you.
il y a seulement 4 mois. Donc, on considère que c'est plus qu'une nouvelle version, presque une nouvelle composition. Il s'agit de parc à problème.
La pièce la plus récente que j'ai écrite, ce sera la dernière pour ma part ce soir, il s'agit simplement d'un homme du monde. Donc que j'ai sous-titré comme une méditation. Thank you.
J'ai oublié de mentionner que la pièce précédente était la composition de Boris Dix, ici présent, et ainsi la pièce qui va suivre, c'est la dernière pièce du programme. Thank you.
on a une petite, un petit supplément. Mais avant de vous jouer cette dernière résumée, je voudrais juste remercier André et Henri de Pesquilla qui nous a invités et bien sûr remercier aussi à Alice qui a fait l'image de son papa ce soir. Et c'est vraiment un plaisir, non seulement
aujourd'hui, on ne peut pas plus faire ce concert. Et donc, je voudrais le remercier vraiment tous les deux. Et encore merci, merci pour ce grand moment de musique. Et vous avez pu découvrir que le monde est en train. Eh bien, il est parfaitement possible de faire des choses, non seulement bien grandes, mais aussi d'une grande qualité. Merci, Pierre. Merci, Olivier.